Ah oui, ça, je vous comprends, mais comment s'appelle-t-il, ce club ? La vie au grand air, la vie au grand air, c'est ça, oui. Ah, la vie au grand air, on en a bien besoin, après les années qu'on vient de passer. Et qu'est-ce qu'on peut y faire comme sport ? Oh, c'est un club omnisport. On peut y pratiquer plus de 6 activités différentes. Parmi lesquelles l'athlétisme, le cyclisme, le football, la gymnastique et, avec notre belle rivière, la natation. Et où ça se passe-t-il ? Eh bien, ça se passe autour de la place des Tilleuls. Les bénévoles, avec leurs athlètes, tous les dimanches, viennent installer leurs installations. Et puis, eh bien, quand ils ont terminé leur entraînement, dans les rues avoisinantes, eh bien, ils remballent leur matériel pour retourner au Turbin, par le train de la Bastille, le lundi au samedi, 6 jours par semaine. Chapeau, les gars. Et sans doute pour rester en harmonie avec le caractère champêtre de Saint-Maur, le club a choisi de s'installer, de s'habiller, plutôt que de s'installer, parce qu'il leur faut bien une tenue à ces petits gars-là, en vert bronze à parement or. Ah, et pour la gymnastique à la VGA, ils savent vraiment être des hommes de bronze ? On va voir ça !
Je